Wag, à toi. Alors, aujourd'hui, en fait, je voulais vous revenir un peu sur Warhammer, encore une fois, et vous parler de la manière d'attribuer des points d'expérience à vos personnages et comment ça va se traduire en augmentation pour votre perso. Alors, au début, je voulais faire une petite vidéo uniquement pour mes camarades de jeu qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et puis je me suis dit, bah, autant en faire profiter un peu à la communauté. Et si ça peut être utile à quelqu'un, bah, ma foi, ce sera aussi bien. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la règle sur les points d'expérience, en fait, se trouve pas, genre, c'est pas très long, hein, se trouve page 47 jusqu'à 49 du livret de base. Et que c'est exactement la même règle pour dépenser ces points d'expérience qui vous restent à la création d'un personnage. Pour ce point-là, je vous invite à regarder ma vidéo de création de personnage. Donc à la fin, il peut vous rester des points d'expérience à dépenser. Et la règle s'applique à la fois à ces points d'expérience-là et aux points d'expérience que l'on acquiert en cours de partie. Donc voilà, donc on va déjà commencer par voir comment on peut, dans quoi on peut augmenter, en fait, enfin, dans quoi on peut utiliser des points d'expérience et à quoi ça sert en termes de jeu. Alors, les points d'expérience à Warhammer peuvent être dépensés pour améliorer votre personnage sous plusieurs angles. La première chose que vous pouvez augmenter en dépensant des points d'expérience, ce sont les caractéristiques. Hein, donc là. Les caractéristiques, ce sont effectivement ce bloc-là, hein, donc combat au corps à corps, combat au tir, endurance, force, etc., etc. La deuxième manière de dépenser des points d'expérience, c'est pour augmenter vos compétences. Donc les compétences, c'est effectivement tout ce que vous avez dans les compétences de base et les compétences avancées, en sachant que ils peuvent être également utilisés pour ouvrir de nouvelles compétences et ne pas seulement changer de niveau. Alors quand je dis ouvrir, c'est forcément des compétences qui sont ici, puisque ceux-là, tout le monde les a. Une autre manière de dépenser des points d'expérience, c'est pour pouvoir acheter des talents ou augmenter en fait votre niveau de talent quand le talent permet d'être augmenté. Hein. Il y a des talents où on ne peut les acheter qu'une seule fois et d'autres peuvent être achetés plusieurs fois. Ils ont un niveau de talent, on va dire. Et donc à chaque fois que vous augmentez votre niveau de talent, bah, vous l'augmentez avec les points d'expérience. Donc ça, c'est en gros on va dire les trois grosses utilisations des points d'expérience. Mais il y en a une quatrième, et là, la quatrième, elle va agir uniquement sur la carrière. Ça va servir à augmenter votre niveau de carrière, on va dire, hein, de progresser dans votre carrière, mais également voir ça à changer de carrière, hein, au sein même d'une même classe, ou alors carrément à changer une carrière dans une autre classe. Mais ça, on y viendra plus tard. Alors, voyons la première utilisation des points d'ex, donc pour augmenter des caractéristiques. Alors, il faut savoir qu'à Warhammer, on doit augmenter les caractéristiques qui correspondent à votre carrière. Vous ne pouvez pas augmenter au moins de base en fait des caractéristiques en dehors de votre carrière. Donc pour ça, je vais prendre comme exemple en fait le personnage que j'avais tiré avec vous, hein, mon nain artisan, pour voir qu'est-ce qu'on peut augmenter, qu'est-ce qu'on peut pas augmenter. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est de prendre le schéma de progression en fait de l'artisan. Donc on voit plusieurs choses dans ce schéma de progression. C'est que l'apprenti artisan, vous voyez, il y a une espèce de petite croix de malte là. Et elle va correspondre aux caractéristiques que l'on a ici, donc la force, l'endurance et la dextérité. Au niveau 1, il y en a 3, et chaque niveau supérieur en rentre une nouvelle. Donc c'est-à-dire qu'au niveau 1, vous pouvez dépenser des points de caractéristiques uniquement donc en force, en endurance et en dextérité. Hein. Force, endurance, dextérité. Une petite précision quand même. En fait, vous avez page 48, augmentation hors carrière. Vous allez me dire, bon Fred, tu nous as expliqué là pendant je sais pas combien de temps qu'on ne pouvait pas mettre des points en dehors d'une carrière. Alors, ça c'est une règle optionnelle avec l'accord du MJ. Et dans ce cas-là, moi je suis pas contre en fait. Dans ce cas-là, enfin,
Je sais pas, il faut y réfléchir. J'avoue que je n'ai pas encore trop réfléchi. Dans ce cas-là, en fait, on peut augmenter des caractéristiques et des compétences, et uniquement ça, hein, pas des talents, pas de talent. Donc uniquement caractéristiques et compétences en dehors de sa carrière. Mais dans ce cas-là, les chiffres, les points d'ex nécessaires par augmentation, en fait, on les double. Pourquoi pas? C'est une possibilité à ne pas négliger. Si vous progressez au sein de la même carrière, eh ben, vous allez pouvoir mettre en plus dans la sociabilité au niveau 1, au niveau 2, je veux dire. Au niveau 3, vous allez pouvoir mettre en plus des points dans la force mentale. Et au dernier niveau de carrière, vous allez pouvoir mettre en plus des points dans l'intelligence. Hein. Donc on peut mettre des points dans les caractéristiques de son niveau ou les caractéristiques des niveaux inférieurs. Donc là, au niveau 1, je peux augmenter ma force, mon endurance et ma dextérité. Et là, en fait, tout va se jouer sur un et un seul tableau, qui est page 47, qui est celui-ci. Donc elle a surtout, en fait, sur la colonne caractéristique. Vous voyez, donc là, donc à Warhammer, hein, ce qu'on augmente, c'est un pourcentage, hein. Toutes les valeurs sont exprimées en pourcentage. Et là, on va les augmenter point par point. Donc ça s'appelle des augmentations. Et donc si on prend ce tableau, de aucune augmentation à plus 5, chaque point coûte 25, de 6 à 10, chaque point coûte 30, de 11 à 15, chaque point coûte 40. Donc là, si je prends mon exemple de mon 1, par exemple en endurance, à la création, il avait déjà plus 3. Admettons que je veux le monter jusqu'à plus 5. Donc là, je suis dans 0 à 5, donc ça va me coûter donc 3, alors 4, 5, 2. Deux augmentations à 25 points l'unité, donc ça va me coûter, si je le passe à 5 points d'expérience, à plus 5, ça va me coûter 50 points d'expérience. Si je veux le passer à plus 6, donc je vais prendre mes deux augmentations qui vont jusqu'à plus 5, hein, donc 4 et 5, donc 2 fois 25, 50 points d'expérience, et je passe à mon plus 6, il me coûte 30 points d'expérience. Donc là, si je le passe à plus 6, ça va me coûter 50 plus 30, 80 points d'expérience. Voilà. En sachant qu'effectivement, vous voyez, on ne prend pas la valeur, les points nécessaires pour augmenter sa caractéristique, ce n'est pas l'augmentation à la base, c'est que vous devez réévaluer votre ligne. Pour chaque point que vous augmentez. Hein. Donc là, par exemple, je suis à plus 3. Comme je vous ai dit, les deux premiers niveaux vont me coûter 25 chacun. Et le troisième, si je le prends, il va me coûter 30 points. Voilà. Ça, c'est le principe de base, en sachant qu'on ne peut augmenter que les caractéristiques de sa carrière. Ça, c'est pour l'augmentation des carrières. Après, on va passer à l'augmentation des compétences. Vous allez voir, c'est à peu près similaire. Donc les compétences, bon, en fait c'est pareil, hein, il faut se référer au schéma de progression de sa classe pour voir quelles compétences vous avez le droit dans lesquelles vous avez le droit de mettre des points d'expérience ou pas. Donc on reprend le schéma de l'artisan. Et pour l'artisan, vous voyez, à chaque niveau, bah, c'est comme là c'est directement mis ici, vous avez les compétences qu'on peut apprendre à son niveau. Donc là, par exemple, mon nain, il peut mettre des points dans athlétisme, dans calme, dans discrétion, dans esquive, évaluation, résistance, résistance à l'alcool, et c'est tout. Je n'aurais pas le droit de mettre des points dans corps à corps, par exemple. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ici. Donc après, ça se passe exactement de la même manière, sauf que, en fait, là, on doit taper sur la colonne compétences. Vous voyez, les coûts en points d'augmentation ne sont pas les mêmes. Hein, c'est plus facile d'augmenter des compétences que des caractéristiques, ce qui est normal, vu que quand vous augmentez des caractéristiques, en fait, vous impactez toutes les compétences qui utilisent cette caractéristique, bien entendu. Hein, oui, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça me semblait assez évident. Si vous augmentez votre dextérité, là, vous remplacez sur toutes les compétences qui ont dextérité, vous les remplacez par votre nouvelle valeur. Donc, le fait d'augmenter une caractéristique augmente toutes les compétences associées à cette caractéristique. Donc là, oui, c'est ce que j'ai dit, c'est juste. Et donc là, par contre, ici, on va augmenter seulement une compétence. Donc les coûts sont plus faibles, mais c'est exactement la même chose. Hein. Donc c'est exactement ça.
Voilà. Donc en fait, ça c'est pour l'augmentation des compétences. La troisième possibilité de dépenser des points d'ex pour augmenter, pour améliorer votre personnage, c'est le talent. Enfin, c'est augmenter et acheter des talents. Alors pour les talents, que c'est exactement comme les caractéristiques et les compétences, on doit se référer en fait au schéma de progression de sa carrière. On n'a pas le droit d'acheter des talents une autre carrière. Donc voilà, on les a ici. Hein, donc si je reprends encore une fois mon artisan, donc en fait les talents au niveau 1, ils peuvent être artistes, infatigables, maître artisan ou très fort, en sachant que j'en ai déjà quelques-uns au départ. Alors quand vous ouvrez un talent, hein, vous n'avez pas le talent et vous l'achetez, donc vous l'achetez niveau 1, peu importe que ce soit un talent qu'on peut acheter plusieurs fois ou pas. Cette augmentation-là, elle est sur cette table-là. Donc, hein, ce n'est pas la même que les autres. Donc, augmentation de talent, quand on rentre dedans, quand on l'achète la première fois, il va vous coûter 100 points d'expérience, ce qui est relativement cher. Si vous l'achetez niveau 2, enfin, vous l'avez déjà niveau 1, vous l'achetez niveau 2, là, ça vous coûte 200 points d'expérience. Si vous l'achetez niveau 3, ça va vous coûter 100 points pour l'ouvrir, 100 points pour le niveau 1, 100 points pour le niveau 2, 100 points pour le niveau 3. Ça va vous coûter 300 points d'expérience. C'est pour ça que leur formulation, en fait, parfois où le talent a été pris, mais en fait, c'est 100 points d'expérience la première fois, et après, c'est 100 fois. 100 points d'expérience, soit le niveau du talent que vous achetez. Voilà, et donc ça va être pour moi. Alors les talents, en sachant que si vous prenez les talents, alors je ne sais pas si je vais vous en trouver un rapidement ici, si je suis dans les talents, attendez, je suis dans les talents ou les compétences? Compétences et talents, oui, c'est pas... Enfin, bon. Quand vous, par exemple, lire et écrire, vous pouvez l'acheter une seule fois. Vous savez lire. Donc là, maximum niveau 1, donc vous pouvez l'acheter qu'une seule fois. Par contre, loup de mer, c'est un talent où vous pouvez l'acheter autant de fois que votre bonus d'agilité. Donc, je rappelle, un talent, c'est 100 points d'expérience si vous ne l'avez pas. Au niveau 2, c'est 200 points d'expérience. Au niveau 3, c'est 300 points d'expérience. En sachant que si vous l'achetez direct, vous avez le droit, hein, de l'acheter directement au niveau 3, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, vous êtes obligé d'acheter le niveau 1, le niveau 2 et enfin le niveau 3. Hein. Donc vous cumulez les points d'expérience. Ça, c'est pour les talents. Et enfin, il y a quelque chose de particulier qui est pour les carrières. Et donc là, on va venir maintenant aux carrières. Alors, pour les carrières, il faut séparer à peu près deux choses. Il faut séparer la montée de niveau au sein de la carrière et carrément le changement de carrière. Pour moi, la montée de niveau au sein de la carrière, j'y vois pas trop de difficultés hors role-playing, alors sauf dans certains cas, hein, augmenter de niveau dans un noble, on va pas augmenter comme ça, hein, c'est ce que je disais dans une autre vidéo. Pour moi, je vais justifier, enfin, je vais demander qu'on me justifie ça par un élément de role-play, de background, de ce qu'on veut. Mais bon, en général, augmenter de niveau dans une carrière, c'est un niveau professionnel, vous pouvez augmenter à peu près comme vous voulez. Alors, par contre, il faut distinguer une carrière terminée et une carrière non terminée. C'est-à-dire, quand vous changez de carrière, il faut qu'elle soit terminée. Mais vous pouvez également la changer alors qu'elle n'est pas terminée, et dans ce cas-là, ça vous coûte plus en points d'expérience. Alors, comment dire qu'une carrière est complétée et terminée? C'est ici. En fait, vous devez... Alors, ça dépend le niveau de la carrière. Par exemple, là, tout à l'heure, mon artisan qui est apprenti artisan, donc mon apprenti artisan, il va devoir avoir mis 5 augmentations dans les 3 caractéristiques, hein, les caractéristiques du niveau, et dans les 8 compétences disponibles, il aura dû mettre 5 augmentations en fait partout. Donc au niveau 1, dans force, endurance, dextérité, je devrais avoir plus 5 d'augmentation là, plus 5 d'augmentation là, et plus 5 d'augmentation là, et plus 5 dans toutes les compétences de la carrière. Et avec
quelque chose de plus, il faut avoir au moins un, et un seul suffit, talent du niveau de la carrière. Et dans ce cas-là, vous avez complété, en fait, votre carrière. Et dans ce cas-là, vous pouvez augmenter en fait le niveau de votre carrière. Donc, si vous l'avez complété comme je viens de l'expliquer, vous pouvez passer de apprenti artisan à artisan. Ou pas, d'ailleurs, hein, vous pouvez garder toujours la même carrière. Rien ne vous oblige à changer de niveau de carrière. C'est le choix du joueur. Donc là, il va augmenter et il va devenir artisan. Mais ça a un coût. La carrière, elle est achevée. Pour qu'il devienne artisan, ça me coûte quitter une carrière achevée sans point d'expérience. En sachant que on peut changer de carrière au sein d'une. Alors, avant de parler de changer de carrière, l'augmentation de carrière, quand la carrière est inachevée, là, sur le tableau, on voit 200 points d'expérience. Mais. Là, on nous dit qu'on change de niveau, machin. Alors, c'est pas très clair. En tout cas, moi, je vais vous dire comment je le fais. C'est-à-dire augmenter de niveau au sein de sa carrière. Moi, je demande que la carrière en cours soit complétée. Voilà. Donc, par contre, changer pour une autre carrière, là, rien comment dire, ne me gêne dans le fait qu'on abandonne sa carrière pour en embrasser une nouvelle. Dans ce cas-là, si la carrière que vous aviez en cours et que vous changez complètement de carrière au sein de la même classe, attention, classe égale classe sociale, hein, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, là, dans ce cas-là, vous avez quitté une carrière inachevée et pour embrasser une nouvelle carrière, ça vous coûte 200 points d'ex. Donc, admettons que finalement, mon artisan nain, il est citadin, hein, on a ici la classe, il est citadin. Il veut devenir tout d'un coup agitateur, donc il va être agitateur niveau 1, mais il n'avait pas terminé en fait son apprentissage. Donc pour devenir agitateur, eh ben, ça lui coûte 200 points d'expérience. En sachant que quand on embrasse une nouvelle carrière, on la reprend niveau 1, et là on ne peut plus mettre des points que dans sa nouvelle carrière. L'ancienne carrière, c'est terminé, on n'en parle plus. On ne peut plus, par exemple, niveau 1 d'agitateur, je peux en mettre au tir, je peux en mettre en intelligence et en sociabilité. Alors que l'artisan, je pouvais mettre en force. Là, agitateur, je ne peux plus. Et ce n'est pas parce que j'étais artisan avant que je peux continuer à en mettre des points dans ma caractéristique. Donc ça, c'est assez important, c'est à prendre en compte. Et en plus de ça, si vous changez complètement de classe, tout d'un coup, vous devenez noble. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans le scénario, vous êtes devenu noble parce que ça a été une récompense, par exemple. D'ailleurs, justement, changer de classe, pour moi, doit être justifié par le roleplay. Et dans ce cas-là, là, ça va vous coûter 100 points d'expérience supplémentaires. Donc, si vous n'aviez pas terminé votre carrière en cours et que vous changez de classe sociale, ça va vous coûter 200 points d'expérience pour ne pas avoir terminé la carrière d'où vous venez. Plus 100 points d'expérience parce que vous changez de classe sociale. Et donc, ça va vous coûter 300 points d'expérience. Voilà, grosso modo, ce que l'on peut dire sur la dépense de points d'expérience. Alors, en sachant que la plupart du temps doit être un peu justifié quand même, roleplay. Sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. On n'est pas dans des niveaux de donjon où on monte, on monte, on monte, sans justifier quoi que ce soit. Parce qu'en fait, comment dire, la continuité de votre personnage. Là, le changement de carrière, le monter de niveau en carrière, etc. Hein, par exemple, mon apprenti artisan qui devient artisan tout seul, il a peut-être laissé tomber son maître, ou son maître lui a dit, maintenant, tu peux forger toi-même, ouvre ta forge, etc. etc. Donc voilà ce que je peux dire sur la manière d'attribuer des points d'expérience à Warhammer. J'espère avoir été clair, et en tout cas, bon, si ça vous a plu, un like, un pouce, enfin bon, comme d'habitude, hein, vous le savez. Et wag à toi.